On verra, tant pis. Allez. T'as une petite chanson. Cette fois, on fait The Beast. Pas besoin de Trinket, là. C'est pas obligé. S'il est là, on... En plus, non, on n'a pas débloqué le bébou, non. Du coup, ça sert vraiment à rien du tout, quoi. Ouais, bah après, chercher mon colis, en soi, je m'en fous, c'est pas le problème, mais c'est juste que... C'est écrit sur le site, vous avez demandé à changer machin. Ça, ça me pète les couilles, genre. Pourquoi vous mentez? J'ai jamais rien demandé. Il y a une erreur sur votre adresse, je sais pas quoi, t'es là, mais... Pourquoi? Dites-moi que vous avez eu la flemme et foutez-le à la zob dans mon truc sans me poser la question. Mais c'est vraiment genre, il voulait pas venir à chez moi, quoi. Peut-être quelqu'un qui est allergique au chat. En plus, c'est un colis qui rentre dans ma boîte aux lettres. C'est pas un gros truc, hein. Je trouve ça stupide. Bah, ça donne pas envie. Bah, esquivez-les si vous pouvez, parce que c'est... C'est pas la première fois qu'ils me font ça. C'est chiant. Oh! Let's go. Let's go. Ça, c'est du vilain start. C'est noté. Ah non, vraiment, là... De la merde, hein. Ils te mettent ça sur le site en mode « C'est toi qui as dit, ah... Votre demande a été bien prise en compte de livrer en colis relais. » Bah, si je voulais livrer en colis relais, j'aurais choisi un à côté de chez moi, espèce de con. Ça, on viendra le chercher, je pense. Hop, voilà. On part sur The Beast, là. On part pas sur Mother, non. Par contre, faut apprendre à viser. Apprendre à viser. Ok. Les tunas, let's go. Donc Trinket, on a dit c'est pas obligé. Par contre, on va sûrement jouer Devil Deal pour avoir du stuff vite. Même si j'avoue d'être tenté par les Angel Deal avec Aimola Kria et Atame qui profiterait bien du homing. Le Burst Ride de Sanson, je crois qu'il est un peu zéro, non? C'est genre la rage toujours plus longtemps, je sais pas quoi. Okay. C'est pas grave. Par contre, j'aurais dû prendre des... J'aurais dû faire péter mes cœurs d'os. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. J'aurais dû les faire péter avant de prendre les cœurs bleus. Pour choper du tir rate. À foison. Surtout avec Aimola Kria. Let's go. Ça devrait aller assez vite hein, sur cette run là parce qu'on a vraiment une belle run. En plus avec la pioche on peut tout péter. Sur The Beast il n'y a pas d'embrouille. Hein. Il n'y a jamais de phase où on peut pas péter. C'est fumé la pioche à deux fois. Hein. En speedrun ouais. C'est devenu vraiment très fort.
Merci pour le follow. Bienvenue. Et en plus, ça proc avec les dégâts de Emolacria. Donc ça fait en plus plus de dégâts, quoi. On est de retour dans les cœurs d'os, on en profite. Ok. Peut-être un peu de vitesse serait bien là pour aller piocher plus vite. C'est pour le tier rate. Vous inquiétez pas. C'était prévu. Enfin, je vérifie que je suis pas à Depth 2 parce que sinon... Ça m'est déjà arrivé d'aller un peu trop vite, d'un peu trop bourré, et de me dire « Oups !» J'ai oublié The Fool. Hein. Donc là, il faudra la capter, la The Fool. Ok. Ah ouais, elle peut spawn là? Je pensais pas qu'elle pouvait spawner derrière des cailloux. Elle était quand même accessible avec une seule bombe normalement, mais... J'aurais pas cru ça possible. Hein. Je pensais qu'elle était forcément sur la route. 16 balles pour Abaddon, on va peut-être essayer de l'acheter quand même. Il y avait une pièce juste à côté, hein, mais bon, c'est pas grave. Que quand on fait pipi dans l'entrée de la salle, c'est qu'on a un cœur moisi. Si on a que un cœur moisi, ah non. Tu fais pipi dans la salle quand t'as un demi-cœur. Et le cœur moisi, c'est un cœur. Même si tu meurs, si t'as qu'un cœur. Mais t'as quand même qu'un cœur. T'as quand même pas un demi-cœur. C'est bon, j'ai ma The Fool. Pas un demi-cœur, hein. Je crois que tu... Tu fais pas pipi, hein. Tirate. Ok. On a dit pas besoin du Tainted, enfin du, ouais, d'aller chercher Tainted, donc pas de trinket. Juste en trace. Celle-ci m'a buté. Non, non, tu fais pas pipi en entrant, hein. C'est vrai. C'est vrai que... Vas-y. Je fais des doubles checks à chaque fois parce que j'ai peur de, d'oublier des trucs, mais là c'est bon. On peut avancer. Pas d'embrouille. L'item room, vraiment, là j'ai pas besoin de build, hein. Je pense juste j'avance. De sortie en sortie, d'entrée en entrée. Et go, hein. Peut-être aller chercher les cœurs rouges quand même. Oh, je pourrais dormir dans le lit en fait. Donc même les cœurs rouges, on s'en fout. Ok.
Donc on pourra soigner, d'ailleurs ça fera un lit de plus. C'est vrai que j'arrête pas de dire le lit c'est gratos dans Repentance, mais... On n'est pas non plus si bien sur le... Je crois que j'en ai fait genre 4. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas tant que ça. Mais bon, on verra. On verra quand on y sera. En tout cas, c'est pas mal la pioche. Hein. 8 minutes de run, on est déjà quasiment à la maison. Toujours un peu plus en temps réel. Hein. In-game, tout n'est pas compté de la même façon. On est plutôt à 10-12 minutes là. Et en vrai, on skip tout, mais on a un build aussi pour The Beast qui sera bien, je pense. Hein. Build The Beast devrait être suffisant. Donc ça prenne 8 ans, je veux dire. Parce que... C'est plutôt ça le problème. On a fait tous les monts, je crois, de l'ascension 1. Hein. On a fait ça la dernière fois. Il me semble qu'on les avait tous eus. Il me semble qu'il y en a 6 ou 7 et on les a eus. Je l'ai déjà fait de temps en temps, je me suis dit tiens c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse. Et je crois qu'on en a déjà eu, on les a déjà tous eus. On pourrait faire un tour dans le bestiaire, un de ces quatre. Allez, des cœurs en plus. Oui je me bats à la pioche. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je pensais qu'elle chargerait plus vite là, la rage quand même là. Un peu étonné. Un peu étonné. Elle est freeze. Broken modem, c'est rigolo, mais ça dépend quand il tombe, quoi. Wow, wow, wow. Allez. Ok, c'est fait. Une tatin d'endive. Une tatin à l'endive. Une tatin à l'endive. C'est possible, ça, parce que c'est être sucré, les tatins. Pas comment on fait une tarte tatin. Ça doit pas être bien dur, mais... L'endive Burk. Putain, cette émo de Burk, elle est incroyable. Oh, le Atamé. Bravo. Là, il nous met trop bien. La tarte tatin, c'est Renault. Tu la mets au four et tada! Moi j'aime bien les endives, mais plutôt crues. Genre en salade. J'aime pas trop les endives cuites. Ça va. Genre en tarte, ça doit être ok. Ou sauter à la poêle. Cuite, mais genre à la poêle, quoi, sauter. Genre je suis pas trop fan des endives à la béchamel, au jambon, là. Bof. En fait, je pense que c'est surtout ces endives-là que j'aime pas. Le reste, ça va. Je pense que c'est surtout ça que j'aime pas. Ouais, salade endive noix bleue, ouais, par exemple. Là, ça me parle, ouais. Ouais, ça me parle, ouais. Ah, j'avoue, j'aime bien. J'aime les asperges. Les asperges, c'est chiant à préparer et c'est, en fait, c'est, le problème des asperges, c'est que c'est trop long pour rien, quoi.
Genre, tu t'es fait chier à tout faire, l'eau et tout, machin. Et puis après, bah, 30 secondes, t'as plus d'asperges. Les chicons, c'est dans le nord, non? Les chicons, c'est les asperges, mais dans le nord, je crois. Biggie. Ça dans une poêle avec du beurre, une tatin classique avec la fourme d'Amber. Ah bah voilà, ça, ça a l'air vachement bon. Ah là, pour le coup, ça a l'air vraiment très très bon. Tarte fourme d'Amber en div comme ça, là. Moi, je dis oui. Hop. Ah, je lui ai proc le cœur d'os, là. Je me suis dit, il va se le prendre en pleine face. Troll de ouf le remote. En vrai non, il aide hein, parce qu'il enlève beaucoup de larmes. Hop. Les lames disparaissent. Mine de rien. Allez, la recherche de Tainted Maggie. Mais oui, le remote, c'est vrai que... Il y en a qui aiment pas. TP là ? Pas mal. Pas mal la curse romain. La sacrum. La sacrum, c'est... Voilà, comme d'hab avec Maggie. The strats. Non. Non, Dan. Dan des queues truffes. Arrête. Il donne pas le jeu. Enfin, en vrai, il y a une proba quand même que ça donne un peu des trucs. Que ça donne au moins un truc, ça doit être genre 30%. Manger autre chose. Allez! Voilà! C'est pas ce que je veux. Pour starter, mais au moins j'ai un item. J'ai une satisfaction d'avoir trouvé quelque chose. C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Pas ça que je voulais non plus. Disons que ça nous permet avec ce perso d'avoir plus de start quoi. On a les curse room pour TP, les sacrifice room pour des items d'angel room et les items room de base. The mark on start. Bof hein. C'est pas zinzin hein. Mais bon, allez, c'est de la speed sur Maggie, un peu de dégâts. On va croire en nos rêves. Ça one shot les caca, bien. Il y a un orbital, bon ben c'est existant. Existant, c'est pas de fou mais bon. Oh. J'ai regardé à moitié, j'ai failli m'exploser la tronche. Soy milk. Soy pingouin 2-3, mais pas soy milk, quoi.
pas ouf là. Pas zinzin. Hein. Je sais pas sur quoi on jouerait le Soy Milk. On a même pas débloqué Godhead, genre en mode pour essayer de piffer un Godhead. Blood Clot à la limite. Ah, elles sont rouges et elles me foncent pas dessus. Ah, parce qu'elle me kiffe. Ah, avec mon objet, elle me fonce pas dessus du coup. Ok. C'est viable avec Tainted Maggie? Est-ce que c'est viable avec qui que ce soit? Finalement, c'est là la question. Le vrai problème, c'est... C'est pas Tainted Maggie, c'est Soy Milk. La fausse est cool. Je préfère avoir Death Touch sans Soy Milk qu'avec Soy Milk. En soi, je veux dire, ça va bien ensemble parce que ça fait un piercing shot, mais je préfère avoir juste Death Touch, quoi. Il faut choisir. Zéro un peu, hein. Holy Light, oui, oui, ça, c'est ok, quoi. C'est ok, mais bon. Ah, le vol serait confortable, hein. On en croise des choses à choper, là. Objet de deal, ça me parle. Bam. Ah, ça me parle de zinzin, là. En vrai, ça me parle parce qu'on a Léviathan, donc on a le vol. Parce que je peux prendre ça. Puis prendre ça. Et donc, on va faire un petit demi-tour. En plus, avec 25 balles, on va peut-être aller juste chercher notre magasin quand même. Aussi, ça va être tranquille. Là, par exemple, Soy Milk avec les tirs dirigés, j'aurais trouvé ça insupportable. Hein. On va skipper un étage. On va encore aller assez vite. Le truc de Ewaz, c'est que ça fait un peu moins de stuff, quoi. Mais bon. Non, c'est une vraie trappe. Hein. Super. J'ai peur de m'être fait troller. Ok. Un petit HP up serait pas de refus. Pour mon prochain deal. Alors après, le problème du HP up, c'est que... ça m'enlèverait le Wall of Babylon qui me donne un peu de stats quand même. C'est du dégât et de la vitesse. Hein. T'as vu le lien. Ça y est, ils sont là, les gachas. Ils sont là.
La force, mais... Ah, j'ai un trinket à poser aussi. Wow, 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 wow. J'ai pas fait ça. J'ai pas trinketisé mon... Ma run, là. Il me faut un trinket quelque part. Faut pas oublier ça. Voilà, vous me le dites pas. Moi, je comptais sur vous. Comme dans Guignol. Les bisons. La force pour piquer un deal, ouais, ça pourrait être pas mal. Moi, je partais sur la papesse pour one-shot un boss, mais il y a aussi la force. Peut-être faire ça d'ailleurs, vous avez raison. Faire un deal moins cher. The Empress. Du coup, j'ai quand même pas de trinket. Là. Tout de suite, là. C'est pas lui qui va m'en donner. Relou. Le relou. Ouah, allez. Allez. C'est cher un peu quand même, hein. Mais bon, on va prendre parce que ça fait... pas mal de speed up. Faut pas jouer Damoclès, hein. Calmez-vous. Il me faut un trinket. Il me le faudra. C'est non négociable. En plus, là, je peux pas faire spécialement les autres objectifs. Hein. Enfin, si, je peux faire peut-être d'autres trucs, mais... non, je peux pas. Il lui faudra. Ta-da-da-da. Ouais. Chap, on peut pas avoir trinket. Hein. Enfin, on peut avoir la mum's box, mais c'est tout. Eux, quand ils te sortent dedans, là, c'est vraiment un scandale. Déjà, on va trouver, là, on va avancer dans notre étage, on verra après. On se posera la question quand on aura trouvé le boss. Et d'ici là, on aura quelque chose. Oh, c'est pas ça.
La The Fool est là avec le boss. Du coup, on y va. Il me faut un trinket. Hein. Soit là, soit à l'étage d'après. Il m'en faut. Donc on va farmer un petit peu. Pour pas être à court. Ah, le boss fight, on voit rien en tout cas. Oui, t'y vas. Non, je chie comme ça contre Mom Bleu. On va avoir du mal contre The Beast. Alors, Prage, j'ai un peu du stuff quand même. Hein. Mais nique. Oh, putain. Rien. Cette fois, c'était un peu abusé. Propto. Ouais. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Hein. J'embête avec le Propto, c'est le... le tir dirigé. Du coup, c'est un peu pète quoi. On cherche. C'est pas ce qu'on cherche, mais on y va. C'est bien lui. Ça paye bien là. Ok, je pense qu'on a eu ce qu'on cherchait. C'est un autre trinket. Avec un scatol. On a un trinket. Il y avait une carte empereur, je pense qu'on la veut pour... on la veut, mais on veut farmer un peu l'étage d'après aussi. Je sais pas. Petit Rosine. Parce que le problème étant, il faut qu'on se soigne un peu. En fait, c'est du spectral qui me manque de fou, là. Ah, j'ai oublié mon dé. Ouais, bah tant pis. Normal que tout le monde me fasse peur dans ce jeu. Tous les ennemis, ils ont l'air dangereux là. À l'aide. Descends. Tiens, je vous jure, j'ai envie. Hein. Ça va me roll mes objets de Devil Deal. Hein. Putain, mais... Ça fait full bolossé. Ouais, il faut que je pose le trinket, c'est vrai ça. Je vous jure, ce dessin là, il me donne envie.
Je veux pas qu'il pète tout. Ah putain, il a quand même tout pété là. Justice. Mais surtout pas qu'il pète la machine là pour qu'elle me donne des cœurs bleus peut-être. Bon, j'abandonne ma War of Babylon pour des cœurs. Donc là, on a Mama Mega, donc on va full clear, je pense. Les étages sont pas trop durs à... Enfin, les trucs sont pas trop durs à clean. On veut full clean pour... recharger notre item. Pose ce trinket! Mais il faut que je le pose dans la salle de boss. Enfin, je pourrais le poser dans la... Item room. Je le pose là, c'est bon. Vous le voyez là, il est posé. Hop. Merci Akiro. Bah, les gens participent, hein, c'est... Il y a des choses que j'ai ajoutées. Probablement ça d'ailleurs. Mais il y a des choses aussi qui viennent des viewers. Okay. Wow. Là, le dégât, hein. Oh, le double cœur bleu, là, il met trop bien. Putain, mais la proba en hard, elle est pourtant pas haute, hein. Faut qu'on évite certaines musiques à son request. Non, de toute façon, après, si je vois que ça passe pas, je les ajoute pas, donc... Souvent, quand il y a des paroles, par exemple, je les mets pas. Putain, je les punch dans ma tronche, quoi. Putain, je suis nul. J'aurais dû descendre, je pense. J'aurais été mieux. Really? C'est crado. Okay. On aura l'avantage de se faire heal par Dogma là. Et d'avoir deux nails pour le boss, mais bon. Même pas gratos là. Hein. On va se concentrer sur la fin pour essayer de engranger un peu des cœurs. Vu qu'il faut faire 12 salles sans se faire toucher avec le nail pour être rentable, c'est quand même difficile. Hein. Oh.
sans champi. Allez. On monte. Ouais, le nail. Bah, après, ils l'ont. Du coup, le nail il donne plus de dégâts, mais il donne moins de cœur, quoi. Ils ont changé un peu son utilité. C'est plus un activable offensif maintenant. Avant, c'était full défensif, mais là, ouais. Petite trappe, on sait jamais. Non. On va avoir un petit mendiant quelque part aussi qui nous donnerait. Je crois qu'on va fuir cette salle parce que lui il a vraiment beaucoup de vie. J'ai envie d'aller risquer des trucs. J'ai laissé un item ici. Oui, j'ai laissé un item ici, bah oui. Ouais, j'ai laissé un item, ouais. On va le laisser encore une fois, je crois. L'ampoule, elle va pas trop servir. La trappe de fou là avec Magic Mush dedans. Autant le prendre, bah non. Pourquoi autant le prendre, non. Mon build sera pas mieux avec Soy Milk, hein. C'est pas plus logique de le prendre maintenant. Hein. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je pense qu'il faut pas prendre Soy Milk, hein. Créer du contenu. Voilà pour le contenu, moi. Là pour gagner, moi. J'aime pas sa commu. Allez, Tainted Maggie, c'est fait. Trinket sympa, là. Est-ce qu'il va me donner une charge, Dogma? Je sais même pas trop. S'il me donne une charge, je serais plutôt bien timé pour les boss. Parce que un boss de Beast donne 2 à un Harbringers. Ouais, techniquement maintenant ça change plus rien parce que de toute façon avec The Beast on va avoir 6 cœurs. Ça ne fait plus de différence. Reviens. Vu que l'item Dogma donne. Oui, j'ai eu une charge. Ok.
Donc je vais pouvoir utiliser le nail combat d'après là. Et je pourrais l'utiliser une deuxième fois normalement juste avant The Beast. C'est cool. Ça fait toujours un cœur de régen en plus. Et ça fera du dégât. Un petit peu. Pas pratique ce pattern là. Il est bloqué dessus en plus. Allô. Wow. Il fait que ça. Merci Ewilan, merci beaucoup pour le 9e mois de soutien. Merci énormément. Merci beaucoup pour le... Lorisab. Et re-bienvenue. Oh non. Pas lui. Tout le monde le déteste. Ça se voit que j'ai un peu les patterns nullos là. Ok. Attention. Ma bombe a bloqué sa bombe. Petite bombe, c'est pas la grosse bombe finalement. Allez. Cool. Compliqué parce que j'ai envie d'aller jouer au corps à corps avec mon Propto, mais je peux pas toujours. Hein. On peut pas toujours. Cool. Pris de dégâts sur Death. Du coup, on se rebooste un peu pour The Beast. Je peux pas beaucoup plus me rapprocher là. J'ai envie pour le... Le Propto, mais j'ose pas non plus. Pas si on va avoir les patterns de mort. Je me suis un peu boosté, le Propto il est là. On a la phase des stalactites là qui se casse la gueule. On va avoir... Ouais, on a la phase des fantômes de con. Ouais. Ok, donc on a les patterns de merde. J'étais pas sûr... On va pas être trop loin de le tuer là je pense. Passer la phase suivante. Oula. Si j'avais eu genre 2-3 bombes en plus, peut-être ça suffisait. Ah, j'ai pris le boss. Ah, quand même un petit peu, ouais. Et là, normalement, c'est un peu plus simple.
Juste besoin de faire des hauts bas. Mais cette run qui partait pas trop mal, elle était quand même assez longue hein, finalement. Vu que j'ai dû jouer safe. Putain oui, j'ai mis 30 minutes. 30 minutes quand même. Hein. Arrêtez avec ça, Humilk! Ça suffit. Ça suffit. Commencez par là. Hein. Bon. Calmez-vous.